I'm not going to Et coucou toi, comment ça va Bon, j'ai reçu un nouveau graveur de la part de Geek buying Il s'agit du X3 Pro de MegPower. Alors, je connais pas trop cette marque, j'en ai jamais entendu parler. Il s'agit d'un graveur laser qui peut graver jusqu'à 40 par 40 cm avec une tête d'un laser de 10 watts, donc deux faisceaux de 5 watts qui se réunissent un peu comme le système de Horture sauf que celui-là est un prix beaucoup plus abordable. Et en plus, avec t'as même la petite table dessous euh, qui vient en guise de protection. Je te propose déjà dans le premier temps en face un petit montage de tout ça. Et puis après on passera aux caractéristiques, à la description de la machine et à la fin on fera des petits essais. Allez, c'est parti Ce carton là c'est marqué en gros que c'est la surface de travail avec le nid d'abeille. Donc pour l'instant je vais le laisser de côté, tu vois, il fait 44 par 44 cm et je vais m'occuper de ce premier carton. Donc niveau tarif, là on est sur un laser qui vaut approximativement 400 euros, mais qui serait en promo là sur euh, Geek Buying, à une tarif de 350 euros. Donc on est sur un laser qui est quand même pas excessivement cher par rapport à certains, on est quand même à un prix plus bas. Euh, mais qui a quand même un valeur sur le papier d'avoir les caractéristiques de certaines grandes marques. Donc, déjà, le produit, comme tu peux voir, bien emboîté. On a un premier parti en mousse. Et ensuite, on a tout le laser qui est là. Dans ce colis, on va retrouver du coup une notice d'utilisation. Donc, euh, pour le X3 X3 Pro, la notice d'assemblage, tu as les caractéristiques techniques, tu as pas mal de choses. Par contre, tu n'auras ce livre-là qu'en anglais. Un sac avec quelques colliers, de la visserie, des clés à laine, des clés. À mon avis, ce qui auras un système comme sur l'orture que tu pourras verrouiller. Une petite vitre en plexi orange avec euh, un petit film protecteur devant, des lunettes, c'est bien tu ils ont mis un petit truc pour pouvoir nettoyer les lunettes, un truc que tu n'as pas d'habitude mais par contre il n'y a pas l'air d'avoir de sacoche pour un, un transformateur d'alimentation qui va te transformer le jus du 220 à du 12 volts le câble qui va venir t'alimenter ton transformateur ainsi qu'un câble usb basique que tu retrouves sur tous les graveurs laser la tête du laser donc MECPOW d'une puissance de 10 watts je rappelle Six éléments que tu viens mettre dans les coins donc on va retrouver trois parce que le quatrième il sera fixé lui sur la partie qui commande, qui elle est déjà, tu vois, toute câblée par rapport aux autres trucs. Donc, on n'a pas les câbles à passer. Enfin, pour l'instant, on n'a pas les câbles à passer. Tout est déjà monté. Alors, par contre, du coup, tu vois, faut que tu aies demain pour le sortir proprement du carton. Oh, si c'est pas cute, ça. Un petit mini pouce cruciforme, à mon avis, pour finir de... pour monter la machine. Et du coup, on aura les quatre rails qui vont venir te faire l'assemblage du châssis. Un petit échantillon de trucs pour pouvoir faire des essais, pour pouvoir tester la machine donc on a une tôle à mon avis là qui semble être vu le poids en alu plaque cartonnée un peu qui ressemble à du MDF assez fine, ça doit faire à peu près 2-3 mm d'épaisseur dans un petit coin on va retrouver du coup nos deux courroies crantées et pour finir, le gros avantage de cette machine là c'est qu'elle est fournie avec l'air assist chez beaucoup de marques c'est un truc qui est en option alors celle là tu la fournis avec pour l'instant je ne vais pas la sortir du carton mais en gros voilà tu as une notice d'utilisation du système air assist le petit tuyau d'air que tu vas venir envoyer du coup jusqu'au niveau du laser la petite pompe qui va t'envoyer l'air avec un petit bouton qui tourne dessus et on va retrouver un transformateur pour l'alimenter. On fera un tour sur l'air raciste un peu plus en détail par la suite. Déjà, on va s'occuper de monter la machine. Du coup, première étape va consister à prendre les deux axes Y, donc celui qui est gradué de 0 à 50 mm et celui qui n'est pas gradué, et l'axe X avant, celui qui est gradué de 0 à 45 mm. On va les mettre bout à bout et sur le côté, tu viendras mettre une vis que tu vas insérer à l'intérieur tu prends le petit homme pouce qui est fourni avec pour le serrer mets bien les graduations sur le dessus pour le deuxième côté tu vois on va garder la fente à l'intérieur tu gardes le morceau droit pour l'extérieur qui est tout lisse et tu vas venir faire la même chose que sur le premier côté c'est-à-dire qu'on va venir le mettre à l'intérieur et puis le serrer avec le petit homme pouce fais gaffe au morceau Y qui va jusqu'à 50 mm derrière tu vois qu'il y a un petit capteur, donc une, fin, une butée de fin de course pour éviter que ton laser aille trop loin. On va prendre la partie du coup avec tout le module de commande et la carte mère et on va venir l'encastrer par-dessus, par-dessus à l'intérieur de nos rails. Tu mets le moteur du côté où il y a les graduations. Donc là, tu vois, la machine a été montée d'un coup, c'est normal. J'ai mal lu la notice et en fait, avant de mettre les vis de 8, tu les verras par la suite à quel moment je vais les installer. Il faut installer du coup les courroies. On va prendre nos deux courroies. Les passer dans le mécanisme. Donc en fait, il va falloir les passer dessus, dessous. Ta courroie, il va falloir la faire passer comme d'hab, sous les rouleaux. Tu peux t'aider du petit tournevis pour venir la lever. Donc on passe sous un rouleau. La partie crantée, en fait, devra venir appuyer ici, sur le rouleau qui est là, tu vois, avec les petits crans. Et donc tu la fais suivre le chemin. Tu la repasses de l'autre côté. Il faut que tu la fasses ressortir. Quand on mettra les équerres, on va venir la repasser sur le côté et la sortir au bout des équerres. Je te conseillerais de ne jamais couper cette courant c'est jamais, tu auras peut-être besoin un jour de la retendre ou euh, peut-être de la déplacer s'il y a un morceau qui s'abîme ou si elle se coupe. Maintenant on va s'équiper des trois petits équerres de toute la visserie qui reste et du dernier morceau. Le dernier morceau va aller juste ici. Il va falloir le mettre en même temps avec les équerres, donc les longs côtés iront de ce côté-ci. Pour fixer chaque pied, tu vas prendre une vis de 8, une vis de 12 et une vis de 30. À l'extrémité tu vas mettre la vis de 30, donc tu regardes, ce sera la seule qui va pouvoir dépasser du tube en alu. Parce qu'elle va venir se reprendre en fait sur ce morceau là. Je mets place au coup -ci, on le met vers le haut, afin que le trou pour la vis de 12 vienne sur le côté. On va prendre notre vis de 5 par 12 mm et venir la mettre dans le trou qui sera ici. Et là on va pouvoir commencer à mettre un serrage plus intéressant, vérifie bien tes alignements et on va passer à celui d'à côté faire Exactement la même chose, ensuite on va passer de l'autre côté de la machine. Alors, vu que je peux pas trop bouger la caméra, c'est moi qui vais bouger. Mais chez toi, évite de chez toi, vaut mieux que ce soit toi qui bouge. Je te conseille de faire plutôt toi le tour de la table. Et ensuite, on va monter du coup notre troisième pied. Celui-là, on avait déjà mis une vis de 5 par 30 dessus. Tu vois que la vis passe à travers le trou, du coup, va nous juste nous rester la vis de 8 et de 12 installés. Et enfin, il te reste une vis de 8 et une vis de 12. Qui elles vont te servir à maintenir en gros la partie qui commande. Donc là où est basé tout l'électronique, tous les boutons. Pour la partie commande de la machine, on va déjà fixer la vis de 12 sur le bout. Mais pour la courroie, du coup, on va la passer sur devant, la faire sortir, tu vois, juste à côté. On va prendre la vis de 5 par 8, une rondelle, et on va venir la bloquer avec la vis. En fait, c'est la, la rondelle qui passe juste au-dessus de la fente qui vient te bloquer la vis. Une fois que c'est bien serré, ta courroie, elle ne bouge plus du tout. Une fois que tu as monté tes écarts, la petite vis de 8 avec la petite rondelle va venir servir à bloquer la courroie. Je laisserai dépasser un petit bout comme ça pour l'instant sur le premier côté. Et lorsque je vais tendre la courroie, je laisserai le rab, tu vois. Donc je vais le laisser sur la partie arrière de la machine. Donc là, elle est bien fixée. Je vais venir la tendre un petit peu à la main. Il faut bien qu'elle rentre dans la fente ici. Après, tu n'auras plus qu'à tirer dessus, une fois qu'elle est bien tendue, et à revenir serrer cette vis ici. Ce petit bout-là, moi, je laisserai dessus pour l'instant. On ne sait jamais, il pourra servir à l'occasion si ta courroie se casse à l'autre bout, par exemple, tu pourras retirer le petit bout dans l'autre sens, ce qui t'évitera de racheter une courroie. Mais finalement, il te reste la dernière à mettre, donc pareil, tu passes la courroie dans la fente, tu l'attends un peu, ça ne sert à rien de l'attendre de trop, la courroie, sinon tu risques de l'abîmer. Et on va serrer cette vis. On va finir installer notre laser. Il y a un petit guide ici avec deux encoches, tu viens le mettre sur le support. Il y a une petite vis avec une tête rainurée et un petit trou juste ici pour venir la maintenir. Le petit connecteur rouge à brancher. Il y a des détrompeurs dessus, donc tu ne peux pas te tromper. Et pour finir le montage, sur l'axe Y où tu as les graduations, dessous le dessous, tu avais un petit connecteur avec un petit câble, la, but, la fin de butée, et avec un câble qui venait de la commande. On va prendre ces deux câbles-là et les brancher. Le graveur lui-même est fini de monter. Tu vas me dire, il reste cette petite plaque orange, mais qu'est-ce que c'est C'est la plaque qui vient t'aider à régler la hauteur. Donc tu la poses sous ton laser. Tu tiens ton laser avec une main. La vis avec l'autre, tu vas venir poser ton laser dessus. Une fois qu'il sera posé, tu resserres la vis et tu viens enlever la petite plaque. Cette petite plaque, c'est le gabarit qui te sert à savoir à quelle hauteur ajuster ton laser. Lorsque tu veux graver, donc certains ont des systèmes comme de plaques. J'ai eu un autre laser qui avait un gabarit, donc un petit cylindre en alu, et j'en avais même un qui avait un système qui était intégré juste ici. La machine là serait prête à fonctionner sans un raciste, t'aurais plus qu'à brancher ton alim et ton câble USB. Mais vu qu'on a les raciste qui est fourni avec, et ça va apparemment fournir une meilleure qualité de coupe et de gravure, d'éviter toutes les brûlures, on va le faire. Donc déjà, on va sortir. Notre petit tuyau d'air, donc c'est un tuyau d'air qui doit faire 6-8 mm approximativement, et notre boîtier de contrôle de l'air, donc ce qui est le boîtier qui va en fait une sorte de petit compresseur qui va t'envoyer l'air dessus, peut-être de taille de duo différente, et une petite réduction. Ce tuyau-là, on va venir le brancher directement du coup à l'arrière de la machine. Voilà, donc ça, il faut forcer un peu, mais après ça rentre. Et son extrémité. Il sera à visser directement, tu vois, là-bas, sur le côté du laser. Tu maintiens enfoncé les deux petits trucs bleus et ton tuyau va sortir de tout seul. C'est un système à clips, donc tu n'auras pas de problème à le reclipser à l'intérieur. Sur le côté de laser, tu as un petit arrodage. On va venir le visser à l'intérieur. L'air sera comme ça pour pousser directement au niveau de la tête du laser. On va le mettre vers le haut pour pouvoir l'accrocher par la suite là-bas. On va récupérer notre tuyau venant de la commande et on n'aura plus qu'à le reclipser à l'intérieur. Tu vois, pof c'est éclipsé, c'est très rapide, c'est très simple d'usage. Pour que ça ne nous embête pas trop lors des gravures, il y a un petit trou juste ici, tu vois, sur le coin là de, de la platine. On va le fixer à l'intérieur et venir mettre un des petits colliers. Le serre pas trop, ça sera juste pour le guider. Il ne faut surtout pas bloquer le, le tuyau parce que si tu veux remonter ton laser par la suite, tu vois, il faut que le tuyau puisse coulisser à l'intérieur. On a tout monté, on va pouvoir mettre nos alimes. Donc la lime de l'air racine se trouve juste sur le devant. La lime de la machine, elle du graveur, se trouve juste ici. On connectera notre port USB juste à côté et normalement il n'y aura plus qu'à graver. Je vais mettre les clés sur la machine pour ne pas les perdre déjà. Cette petite clé te permet de verrouiller la machine pour éviter que n'importe qui s'en serve. Par exemple, si tu as des enfants à la maison, ça y est, la graveuse et les racistes sont montées. On va désormais ouvrir le petit nid d'abeille, la petite table de travail, voir à quoi ça ressemble. Donc on est sur une table qui fait 44 par 44 cm. On va retrouver un nid d'abeille, je sais pas si tu me vois à travers moi, je te vois. <laughs> Mec Paul, la table, elle est graduée de chaque côté en pouces et en centimètres. Les coins sont protégés, donc tu peux enlever tous les petits coins. À mon avis, ils ne te serviront plus par la suite. Et on a également une table de protection et des petits tampons antidérapants. Ces éléments-là vont te servir à ne pas abîmer ton support lorsque tu seras en train de graver. La tôle en alu va absorber le faisceau laser pour pas que ça vienne graver sur ta table, sur la surface où tu la et la deuxième en fait va venir te permettre par exemple de faire des coupes et que le faisceau laser puisse quand même passer à travers. Je trouve qu'on est sur un truc qui est quand même sympa, ça ressemble à de l'aluminium, c'est quand même assez léger. Rigide. Afin de te faire gagner un peu de temps, je vais te partager directement les essais juste ici que tu verras défiler. Et juste au-dessus, tu verras que je te ferai un petit descriptif de la matière que j'ai gravée avec la vitesse, la puissance du laser, éventuellement le nombre de passes. Les racistes, dès que du bois, bien sûr, je l'ai enclenché. Également, le durée de gravure. Et pour combler en même temps le temps, je vais te parler des caractéristiques de cette machine. Donc, c'est un graveur laser d'une puissance de 10 watts. 10 watts, pourquoi Parce qu'il est fait comme un peu le Horture Master 3. Il y aura deux lasers de 5,5 watts qui vont venir se retrouver dans une optique et former un unique faisceau laser de 10 watts. Qui aura une pointe de 0,1 mm. C'est un graveur laser donc avec une structure en alu qui sera capable de graver jusqu'à 41 par 40 cm. La longueur d'onde du laser est de 445 nanomètres et ce laser est donné pour une capacité de vie de 10 000 heures. Avec ce graveur là, tu pourras faire du bois, de l'acrylique, du cuir, de l'ardoise, du verre, enfin pas mal de choses. Il pourra graver exactement les mêmes choses que les autres graveurs laser. Niveau connectivité à l'ordinateur, donc tu as vu qu'il se connecte simplement avec un câble USB. Donc il pourra fonctionner avec Windows ou avec Mac. Et niveau logiciel, donc tu as deux logiciels qui sont compatibles. Tu as GRBL qui est un logiciel payant, mais qui n'est pas spécialement développé, sur lequel il manque beaucoup d'applications. Et moi, j'utilise Lightburn, donc un logiciel payant. Je te mettrai un petit lien vers les deux logiciels. Dans la description de la vidéo, si ça t'intéresse, et LightBurn est vraiment beaucoup plus complet, beaucoup plus, je trouve, simple à utiliser, mais surtout, il te permet de faire beaucoup plus de choses. Pour les autres options de la machine, tu as pu voir que sur le boîtier d'alimentation de la carte mère, il y a plein de boutons. Tu as déjà un bouton d'arrêt d'urgence au cas où il se passe quelque chose et tu as envie de couper l'électricité directement. Tu as un bouton reset qui te permet de relancer la machine. Un interrupteur marche-arrêt, bien sûr. Et tu as également un capteur euh, de chaleur. Donc, en fait, à l'arrière de la machine, tu as le petit interrupteur. Qui, en fait, au niveau du laser, va capter s'il y a une trop grosse source de chaleur, si la planche est en train de prendre feu, par exemple, et couper automatiquement la machine. Et tu as également le petit bouton de système de verrouillage avec la clé qui te permet de sécuriser ta machine, de l'éteindre et de garder ta clé dans un coin si euh, tu as des enfants, si tu n'as pas envie que n'importe qui chez toi se serve de la machine lorsque tu n'es pas là. Et dans la description également, tu trouveras un tableau avec les recommandations de gravure, de découpe, avec le nombre de passes, les racistes, machin, tout ça, selon les différents matériaux, les différentes épaisseurs que tu auras envie de graver, de couper, enfin euh, un peu tout ça. Je te laisse finir de regarder ça et on va passer à la conclusion. Bon ça y est, c'est l'heure de la conclusion et que je te donne mon avis sur ce produit. Comme tu as pu voir déjà, c'est un pack complet. Donc c'est un bon point si tu es débutant dans le milieu du laser, ce qui te permettra en fait d'avoir tout déjà réuni dans le même pack. D'avoir le graveur laser d'un côté, les racistes et le nid d'abeille, la table de coupe qui vont te permettre de faire en fait déjà de commencer de tout avoir, pas de faire comme sur certaines marques où tu es obligé d'avoir d'acheter le laser d'un côté, les racistes à l'autre. Du coup, d'une offre à un tarif qui est vraiment préférentiel et qui est vraiment très abordable. Je pense que c'est un produit qui est idéal pour ceux qui veulent débuter et commencer un peu dans la gravure avec une surface assez imposante de 40 par 40 cm. Donc On est sur un style qui est à peu près standard, quasiment tous les graveurs font à peu près ces dimensions là, il en est de même pour la puissance et la vitesse du laser T as juste l'orture qui va deux fois plus vite mais qui est aussi plus cher d'un côté donc il faut savoir un peu ce qu'on veut ce kit en plus tu pourras l'étendre, alors j'ai pas trouvé les références des rails qui pourraient pouvoir les allonger mais apparemment euh, quand on lit la doc ils existent, on est capable de pouvoir le faire voilà donc moi je trouve que c'est quand même un bon produit niveau rapport qualité prix parce que c'est vrai que niveau tarif il... je crois qu'on trouvera pas beaucoup de lasers Moins cher que ça, il doit sûrement y en avoir. N'hésite hein. pas à me mettre des liens en commentaire de graveurs qui seraient moins chers que ça avec des capacités similaires. Niveau structure, on est sur un cadre qui est tout en aluminium. Il n'y aurait que la petite console euh, avec la carte mère qui ferait un peu cheap, mais euh, force, franchement, euh, ça a fait le taf si tu l'entretiens bien, que tu l'arranges bien au sec. Si elle ne craint pas l'humidité, s'il n'y a pas de soucis, je vois pas pourquoi elle tomberait spécialement en panne. Voilà, je ne sais pas quoi te dire de plus sur cette machine. Moi, c'est une machine que j'ai adoptée. Tu vois, je m'en sers pour faire mes cartes de visite, pour faire des dessous de verre, pour faire pas mal de personnalisations, des planches apéro. C'est un truc qui va être génial pour te faire des personnalisations. Par exemple, pour les cadeaux de Noël. Tu verras, une fois qu'il aura pris goût, tu te mettras à fond dedans. Et dans la description de cette vidéo, tu trouveras du coup des liens qui vont te mener vers le graveur laser ainsi que les autres accessoires différents auxquels je, je penserai. Grâce à GeekBaining, tu auras même un code promo qui te permettra d'avoir la machine encore moins chère. Je te mettrai le code promo dans la description de cette vidéo. Je pense avoir fait le tour complet de cette machine. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser en commentaire. Je me ferai plaisir de t'y répondre. En attendant, n'hésite pas à te lâcher sur les likes. Bien sûr, pense à t'abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je te dis à bientôt. Ciao ciao